cette vidéo, nous allons effectuer la première partie des 2000 km qui nous séparent du port d'Istal pour embarquer pour les îles Féroé. Bon, Catherine, ça va? Rangement? Ouais. En sort? Ouais, je pense que j'en ai pris plus que prévu, plus que qu'il n'en faut. J'ai rangé mon placard, donc là, la bouffe, elle est là, ici. J'ai tout ce qu'il faut, hein, des pâtures, de la soupe. Voilà. Et le petit déjeuner là. Voilà. Il y a ça, mais c'est voilà, les casseroles, c'est bon ici. Donc, c'est pas beaucoup de casseroles, juste ce qu'il faut. Et voilà, donc je ferme le placard, il est rangé. Tchouk, j'ai rangé ma pharmacie correctement parce que ça fait un peu de tout mélanger. Et là, maintenant, je vais ranger le reste. Oh Cathy, c'est le départ? Ouais, cette fois, c'est le bon départ. On a... Voilà, tout est rangé. On a pris ce que... J'espère qu'on a tout ce qu'il y avait besoin. On va se reposer pour manger si tu veux, parce qu'on sera sur la départementale. Je sais pas où est-ce qu'on mange, mais... Dans 500 mètres, prendre la sortie A42 en direction de Villefranche par RN. Bon, on est où, Cathy, là? Bah, là, on est au parc aux oiseaux, à Villard-les-Dambas. On avait pris le... On a pris l'autoroute, puis on en a eu marre, alors du coup on est parti sur la route. Donc maintenant on va prendre une partie de la route jusqu'à Besançon, tout ça, Belfort, tout ça, ça va être par la route. Et on pourra s'arrêter comme ça tranquillement. Ok. Cathy, regarde, les crazy trotteurs, ils se sont mariés. Ah ouais. Ils sont beaux tous les deux. Bon bah félicitations à vous deux. On va regarder les voyants. Ah bah il y a toujours voyants en rouge et jaune. Ouais. Ils y sont toujours. Hein. Donc même si on est passé hier chez Iveco pour les enlever, ils sont revenus. Qu'est-ce qu'on fait? Ben on attend de retourner chez Iveco.
mais tout plat. C'est ballonné ou c'est plat? Ah oui, c'est tout plat. Regarde, il y a tout plein de... Bah non, c'est pas plat. Petit... Bah ouais, mais c'est pas... Il n'y a pas de route, il y a de route. Regarde. Cette documentation? Oui, je sais, je me rappelle, pour qu'il est rangé. Dans 300 mètres, on a un petit placard derrière la deuxième sortie sur avenue Jean Jaurès, D1083. Il y a un petit placard derrière le dossier de la, du siège. Ah oui, mais je ne comprends plus, je sais que je l'avais vu là. Et du coup, je l'ai mis dedans. Je ne me souvenais plus. Je perds la mémoire. Je deviens vieille. Petit camping, il était bien. Ouais, très bien. C'est un petit camping au bord de l'eau là, qui était très, très bien tenu, bien propre. Tout allait bien. Et on a rencontré plein de monde. Très sympathique. On a quitté l'autoroute pour aller manger et par contre là on a des jolis petits chalets super sympa, chalet finlandais, on a même un petit spa. Petit arrêt sur les bords de la Moselle. Bien calme, hein, Cathy. Ouais. Il y a un corbeau là qui gueule. J'ai un oiseau là, j'arrive pas à le voir. Il s'est posé en face là. Tu prépares la soupe, Cathy? Ah, quand même. Ah ben voilà autre chose. La pause devient récréative. Alors que tu as bien dormi cette nuit? Ouais, ça va. On va où aujourd'hui? On va passer par Luxembourg, on va faire le plein de gasoil et après on part direction Cologne, etc. Et on va s'arrêter vers Dortmund, un petit peu plus haut, dans 400 km. Ok, bon, c'est bien, c'est encore beau, c'est parfait. Ouais. Bah oui, autant en faire. Hein. Non, on profite de la détox. Non, bon, bah on a fait plein de gasoil parce qu'on n'est pas prêt de le revoir à ce prix-là. Ouais.
Bah où? Maintenant, il faut qu'on s'en aille. C'est où la sortie? Bah, je sais pas du tout. La sortie. On doit être par là, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah ce midi, pas de choix. Hein. J'ai mangé sur l'aire d'autoroute. Si on veut avancer un peu. Ouais. Et un petit coup de rosé. Il nous reste 1900 et quelques kilomètres. Ouais, mais du sans alcool. Hein. Je sais pas ce que ça vaut, ça. Déjà, c'est pas bon le rosé, mais alors le sans alcool, ça doit être un peu encore plus mauvais. Avec la petite pause de midi, c'est reparti. Camille, elle va s'occuper de son GPS. S'occuper du GPS parce que tout à l'heure il a bugué. Du coup, il faut tout que je fasse. Ça fait des sacrés travaux ici. Tout en train de refaire la route. Tout le monde. Déjà quand tu le fais normalement, c'est long alors, avec les travaux. C'est là qu'on s'est fait avoir dans cette partie-là. La première fois qu'on est monté. Oh, man.